Oui, Danny, je t'accompagne aujourd'hui pour remettre cet équipement-là en marche, aucun problème. Alors, je vais te demander de te déplacer vers ta gauche. Tu vas aller du côté où il y a une porte qui permet d'accéder au centre de la machine. Parfait. Reste dans cette position-là. Tu vas remarquer à ta droite qu'il y a un panneau avec des boutons. J'aimerais que tu t'en approches puis que tu restes devant ce panneau-là, immobile. Je vais t'indiquer sur quoi appuyer. Donc là, moi, je sélectionne une flèche que je viens mettre au-dessus du bouton. Puis là, à ce moment-là, Danny, il voit très bien. Fait que là, je te demanderai d'appuyer sur le bouton pour mettre la machine en mode maintenance. C'est fait. Parfait. Tu vas voir la buse qui est à l'intérieur de la machine s'approcher de la porte. Excellent. Elle s'est approchée. Tu peux maintenant ouvrir la porte. Parfait. On va mettre une poubelle en dessous de la buse, Danny. OK. Je te demanderai de retourner devant le panneau de contrôle qui est à ta droite. Donc, j'efface la flèche que j'ai mise auparavant. Puis là, Danny, je vais encercler le bouton sur lequel j'aimerais que tu appuies. Puis lorsque tu vas appuyer sur ça, l'objectif, c'est d'expulser ce qui pourrait obstruer à l'intérieur, le conduit à l'intérieur de la buse. Donc, quand tu vas appuyer, regarde et observe si tu vois quelque chose de sortir. Tu pourrais appuyer plus qu'une fois jusqu'à ce que peut-être le débris il quitte la buse. Fait qu'observe en même temps que tu appuies sur le bouton. Le débris est sorti. Oui, on a très bien vu que le débris a sorti de la buse. Excellent. Alors là, tu vas retirer la poubelle. Oui. Refermer la porte et retourner devant le panneau de contrôle. Excellent, Danny. Puis là, on va quitter le mode maintenance en appuyant à nouveau sur le bouton. Excellent. Donc, Danny, tu serais en mesure de redémarrer cette machine-là. Il n'y a plus de problème sur ta machine actuellement. C'est parfait, je te remercie beaucoup. OK, bonne journée.